départ, la réalité virtuelle était un peu présentée comme une extension du cinéma. Pour moi, je pense que la réalité virtuelle est vraiment quelque chose de spécifique. C'est tout simplement un nouveau mode d'expression, quelque chose de particulier qui a sa singularité. Et donc, pour le comédien, on ne peut pas le penser en termes de plateau de cinéma ou plateau de théâtre. Il a fallu qu'on nous explique aussi comment ça fonctionnait, quel était le champ de vision du spectateur pour pouvoir imaginer justement quel type de déplacement, quel type de geste, comment je laisse faire une autre scène et comment je réinterviens pour essayer de diriger son attention, mais le plus subtilement possible. On a dit le public, il est là, il est au centre de vous et c'est cette boule de caméra qui sera la polarité de votre présence. Le comédien se retrouve dans un espace où il n'a plus de metteur en scène pour le diriger. Tout le monde sort, c'est un 360. Vous tournez avec une caméra qui capte tout. Le théâtre fabrique des longs plans séquences de 1h30. Et puis si la prise est mauvaise, on n'y peut rien. Et là, d'une certaine façon, nous, on fabrique des plans séquences de 6 minutes. Il y a tout de même un problème par exemple, de lisibilité du visage du comédien. La texture et la définition de l'image n'est pas encore très très bonne. On crée une intimité alors même qu'effectivement, pour l'instant, la technologie ne nous permet pas d'avoir une grande définition. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intime, pas simplement comme au cinéma parce que les acteurs sont prêts, mais parce qu'on partage un espace commun avec eux. En réalité virtuelle, vous avez quelqu'un qui s'approche de vous, vous avez l'impression qu'il s'approche vraiment de vous. Donc évidemment, ça crée des sensations physiques, émotionnelles, qui sont très intéressantes. J'ai un peu plus l'impression que le spectateur est avec moi, un invité confidentiel à qui on montrerait tout de suite la scène, une proximité, une intimité avec lui. Il y a une espèce de cohésion, enfin d'entité qui se crée entre le comédien et l'expérimentateur. Et ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte pour le travail du comédien. C'est vrai que je trouverais ça intéressant qu'il y ait le maximum de raconteurs d'histoires qui viennent du théâtre, de la bande dessinée, du jeu vidéo, du film, de la littérature, qui s'emparent de ce médium et qui essayent de le pousser. Pour l'instant, je pense qu'on est vraiment en dessous de ses capacités. Là, après, je ne suis pas le roi de la prospective, mais ce que je sens, c'est que juste dans l'endroit qui me fait vibrer aujourd'hui, celui de la fiction, il y a vraiment énormément d'espace. Beaucoup de contraintes parce qu'on n'a pas l'assurance d'un savoir-faire traditionnel, d'une écriture héritée, mais il y a énormément d'espace. Et je pense qu'il faut inviter tous les créateurs à venir essayer ça et à nous répondre à cette question-là, c'est-à-dire de dire, oui, moi je pense qu'on peut faire ça.